Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bonsoir mademoiselle, bienvenue sur Tempo Afrique TV dans cette édition spéciale de rétrospective de la semaine. Je suis Moussa Diawara. Dans notre édition spéciale aujourd'hui, nous allons parler largement du président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, Soro Kikafuri Guillaume, des écoutes téléphoniques entre Soro Guillaume et Diendéré, des écoutes téléphoniques entre Soro Guillaume et Michel Bassolet. Nous allons parler aussi de l'intervention du nouveau gouvernement qui n'a même pas encore pris fonction de Ouagadougou. Nous allons vous faire écouter la déclaration du premier ministre de transition, Zida Yacouba, de ce qu'il en est sur les conversations téléphoniques. Nous allons vous faire comprendre la situation des mandats d'amener d'une juge française, Soro Guillaume, et la petite crise diplomatique qui en a écoulé entre la Côte d'Ivoire et la France. Et pour terminer aujourd'hui, nous allons aussi discuter quel avenir politique pour le président de l'Assemblée de la Côte d'Ivoire, Soro Kikafuri Guillaume. Pour parler de tout ça, j'ai dans notre studio aussi aujourd'hui mes confrères, M. Serge Niawa, reporter de Tempo Afrique TV, qui a un degré de bachelor en mass communications. À ma gauche, j'ai M. Yves Kenao, qui est juriste de formation. Et pour parler de tout ça, nous allons largement discuter de cette situation qui prévaut et nous allons vous donner des détails complémentaires que vous n'avez pas eu l'occasion de voir ou d'entendre. Et en plus, nous allons aussi vous faire écouter ces informations, ces écoutes téléphoniques, sans tarder. Bonsoir, Monsieur Serge. Bonsoir, Monsieur Diawara. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci, c'est un honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour essayer de disséquer ces écoutes téléphoniques dont certains parlent, dont certains refusent la responsabilité. C'est pour cette raison que nous sommes là aujourd'hui. Et merci de m'avoir sur ce plateau. Merci, Monsieur Yves Kenao. Merci, Moussa. Merci, chers téléspectateurs. Et Moussa, nous sommes là et je vais donner l'aspect juridique de ces écoutes téléphoniques et surtout le mandat d'amener que la juge française a lancé contre le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, encore une fois de plus, avant d'entrer dans le vif du sujet. Qui est Soro Guillaume? Soro Guillaume, pour ceux qui ne le savent pas, en 93, 93, 94, 95, Soro Guillaume fut le président de la FESI, qui est une organisation estudiantine. Bien sûr, c'est de ce Soro Guillaume que nous parlons aujourd'hui. De la Fédération estudiantine comme secrétaire général, Soro Guillaume a été emprisonné deux fois par celui-là même qu'il appelle aujourd'hui son allié de tous les temps, M. Ari Konan Bedie, pendant que Ari Konan Bedie était le président de la Côte d'Ivoire. À l'issue d'un coup d'État qui a fait fuir Ari Konan Bedie pour aller en France, un coup d'État qui a été fomenté par le général Guy Robert, Soro Guillaume a disparu de la circulation pour un bout de temps. Et pendant ce temps, il y a eu des élections, il y a eu une transition avec Guy Robert. Après cette transition qui a été couronnée des élections entre Guy Robert et M. Laurent Gbagbo, Guy Robert, voulant falsifier les résultats de l'élection et se proclamer ou s'autoproclamer comme président de la Côte d'Ivoire, a entraîné une autre crise qui ne disait pas son nom, parce que Laurent Gbagbo, sentant, se croyant légitime d'envoyer ses partisans dans la rue pour réclamer sa victoire, Laurent Gbagbo a fini par prendre le dessus. Parce que Guy Robert, ayant fui le pouvoir, s'est retranché dans sa région, Gbagbo est devenu le président de la Côte d'Ivoire. Et pendant ce temps, Soro Kikafuri Guillaume ressurgit encore de nulle part. Il ressurgit comme quoi? Soro ressurgit comme le chef des rebelles. Le chef des rebelles, une rébellion qui a occupé tout le nord de la Côte d'Ivoire. Et partant de nulle part, Soro Guillaume, secrétaire général de la FESI, une organisation estudiantine, Soro Guillaume, enfermé deux fois
par son allié d'aujourd'hui, Harry Konan Bédié, ce Sorogirom regagne du terrain en tant que rebelle, en tant que chef des rebelles, à travers les accords de Ouaga, à travers les accords de Lina Marcoursi. Sorogirom se retrouve comme ministre de ministère à ministère. Sorogirom se retrouve comme premier ministre. Premier ministre de qui? Premier ministre de cette même Laurent Gbagbo, à qui il a pris les armes contre. Sorogirom fut encore ministre de l'actuel président Alassane Dramane Ouattara une fois après que Alassane Dramane Ouattara, par l'intervention de la France, a pu récupérer encore sa place, ce qu'il pensait qui appartenait à lui, après des élections qui ont été émaillées de guerres civiles, plus de 3000 morts. Donc, c'est le Sorogirom que nous allons parler aujourd'hui. Et encore une fois de plus, ce même Sorogirom, chef de guerre, vient de parler de lui-même. Parce que des conversations téléphoniques ont révélé que ce Sorogirom, en tant que président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, est en train de s'émincer dans les affaires d'un pays voisin, qui est le Burkina Faso. Donc, mes chers compatriotes, mes chers panélistes, je m'en vais avec vous, cherche d'abord. Que pensez-vous de ces écoutes téléphoniques que nous avons tous eu l'occasion d'écouter sur les réseaux sociaux, sur entre Sorogirom d'abord et Michel Bassolet? Merci, Monsieur Diawara. En tant que un observateur, un analyste politique, j'ai tout de suite pris le temps d'écouter les écoutes de Sorogirom et Bassolet Michel. Et je me suis dit, est-ce que c'est Sorogirom qui est en train de parler? J'ai fait rejouer ces écoutes, j'ai fait rejouer jusqu'à une heure de temps. Parce que c'est bien sûr 16 minutes. Mais j'étais complètement dessus. Parce que la voix que j'attendais, c'était celle de Sorogirom. On n'a même pas, on ne peut même pas dire non, ce n'est pas Sorogirom, que ce sont des trucs qui sont préfabriqués, tout et tout. Dans cette cassette, dans 16 sans les écoutes, quand je l'ai écouté, j'ai vu un Sorogirom qui se faisait vraiment confiance. J'ai vu un Sorogirom qui était le maître à jouer. J'ai vu un Sorogirom qui était le coordinateur réellement de tout ce qui se passait. Parce que quand vous mettez la cassette, quand vous écoutez ce qui se passe, personne ne peut dire ce n'est pas Sorogirom. Parce que les gens parlent de l'authenticité. On n'a pas besoin d'être réellement un Ivoirien pour savoir si ce sont les écoutes de Sorogirom. Mais il faut dire pourquoi ces écoutes sont venues. Pourquoi ces écoutes? Qui veut réellement empathie avec Sorogirom? Ces écoutes viennent. Ces écoutes, qui les a mis là? Qui a fait que nous savons aujourd'hui? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on accuse ceux qui sont aux États-Unis ou bien en France. Parce que quand vous prenez votre téléphone, M. Moussa, étant aux États-Unis ici, et quand vous êtes en train de parler, ça fait depuis fort longtemps que vous êtes écouté depuis les États-Unis. Même si vous appelez depuis la Côte d'Ivoire, les États-Unis, on vous écoute aussi. Donc, il faut savoir cela. Les écoutes, c'est Sorogirom et M. Bassolet. Sorogirom était où? Il était en Côte d'Ivoire. Et Bassolet Gibril était où? Au Burkina Faso. Donc, les Burkinabés, après ce coup, ils ont dit, mais pourquoi est-ce que ce coup a eu lieu? Et ils avaient des informations pour savoir si ce coup-là, c'était directement, ça venait de la Côte d'Ivoire, parce que M. Blaise Compaoré était là-bas. Et sur ce plateau, nous avons dit, avec la présence de M. Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire, il y a quelque chose qui va se passer. Et quand vous prenez Sorogirom, c'est le poulain de Blaise Compaoré. Et vous avez vu les écoutes entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Quand vous voyez, il y a des ennemis au niveau du camp de Sorogirom qui savent qu'avec Sorogirom, il faut
vraiment parti parce qu'il y a un problème de leadership là. Parce que après les 5 ans, M. Ouattara va partir. Donc, qui va être là? Il faut mouiller ce rhodium au maximum. Parce qu'il l'a vu en tant qu'un petit frère. C'est un petit frère d'ailleurs. Mais quand on fait la politique, on ne fait pas une politique de chaise vide. On ne fait pas une politique avec vraiment une certaine arrogance. Il faudrait que tu sois inscrit dans la politique. Sur le diom, il est bien parti dans la politique, mais avec tout ce qui se passe, M. Moussa, je crois qu'on va en découvrir. On aura l'occasion d'en parler. Monsieur Yves Kenao, en tant que juriste, en tant qu'homme politique, en tant qu'analyste, vous avez écouté avec nous, bien sûr. Nous en aurons l'occasion aussi de rejouer ces écoutes pour nos amis téléspectateurs de mieux comprendre de quoi nous parlions. Que pensez-vous de ces écoutes téléphoniques? Si c'est avéré que ces écoutes téléphoniques viennent de Soro Guillaume, qui est président de l'Assemblée de la Côte d'Ivoire, avec Michel Bassolet, juridiquement, que pensez-vous de l'acte de Soro Guillaume en voulant semer la troupe dans un pays voisin? Voilà, merci beaucoup Moussa pour l'invitation sur ce plateau. Je vous dis tout simplement que j'ai eu moi-même la chance d'écouter cette bande. Mais quand vous écoutez cette bande, il est bien vrai que dès la première écoute, l'audition n'est pas totalement claire dès la première écoute. Mais j'ai eu la chance de les écouter à plusieurs reprises. Vous savez, en matière juridique, surtout nous les juristes, et ce n'est pas une seule version que nous prenons en compte pour faire nos analyses. Donc, j'ai écouté une première fois, j'ai écouté une deuxième fois, j'ai laissé la bande, j'ai cherché une interview de Guillaume Soro, j'ai écouté l'interview, j'ai cherché l'interview de Bassolet, j'ai écouté l'interview, j'ai écouté le président Ouattara, j'ai écouté le président le premier ministre sortant de la transition, Zida, j'ai écouté Djendéré et je suis revenu à la bande. J'ai réécouté la bande. J'ai dit, ok, peut-être que mon esprit est fatigué. J'ai laissé tout. Le jour-là, je n'ai plus continué. Un autre jour, je suis revenu à la charge. J'ai encore écouté les bandes. Et à un moment donné, je me suis dit qu'il n'y a plus il y a plus de ressemblance et de probabilité que ça soit la voix de Guillaume Soro. Je me suis dit ça. Je suis arrivé à cette conclusion que, après plusieurs écoutes, après plusieurs comparaisons, la ressemblance, la similitude entre les voix, la similitude entre le ton, le son des bandes sont similaires. Donc, à partir de cette base-là, je me suis dit, sans pour autant attester l'authenticité de la bande, je me suis dit que la chance que ce soit la voix de Guillaume est à 90%. Que ce soit la voix de Guillaume est à 90%. Mais là encore, je vais vous dire qu'il reste des manœuvres, des marges de manœuvre pour Guillaume Soro de dire que ce n'est pas lui. Ce que je peux demander à l'heure actuelle, sur le plan juridique, c'est de trouver une tierce personne. De third party, comme les Anglais, les Américains le disent, une tierce personne pour attester l'authenticité. Et je vous dis, ce sont des écoutes téléphoniques. Il y a des experts, à l'heure où nous parlons, qui peuvent seulement vous dire d'où ça vient, à quelle heure ça s'est passé, et dans quelle chambre que ça s'est passé. Monsieur Moussa, je voulais un peu compléter ce qu'il est en train de dire. Je suis un professionnel dans la production des vidéos. Si je vois, en prenant cette voix aujourd'hui, je peux connaître que ce n'est pas la voix de Soro et que ça a été un montage grossier. Mais ça... Non, on ne peut pas parler de voilà, ce que je suis en train de dire, c'est que justement pour qu'on puisse de toute façon couper court. Oui, de toute façon, si
juridiquement, si, politiquement, M. Soro Guillaume savait très bien que ce n'était pas sa voie, ne pensiez-vous pas que la méthode serait d'engager une poursuite judiciaire pour pouvoir se déculpabiliser de la bande? Je devrais arriver là. Vous savez, sur le plan politique, s'il s'avérait, parce que moi, en écoutant la bande à plusieurs reprises, je me suis dit qu'à 90%, ça ne pouvait être que la voix de Kim Soro, à 90%. Donc, si mes 90% sont justes, c'est un incident politique, un incident diplomatique. Ça veut dire qu'il est en train de s'ingérer dans les affaires intérieures d'un pays indépendant. Il veut l'insécurité dans ce pays. Il veut semer les troubles dans ce pays. Il veut déstabiliser le pays. Et ça, c'est condamné sur le plan international. Même dans la charte de l'ONU et dans la charte de l'Union africaine, ça y est. Et là, c'est grave. Et c'est punissable. Quel que soit son titre de président de l'Assemblée ou de premier ministre ou de président de la République, de quoi que ce soit, c'est punissable, s'il vous plaît. Ami invité, si la régie nous permet, nous allons jouer une partie de cette conversation téléphonique entre Guillaume Soro, supposé Guillaume Soro, et Diendéré, et Michel Bassolet. Et puis nous allons continuer notre débat, voilà. Parce que dans cette bande de 16 minutes, même si nous n'allons pas jouer toutes les 16 minutes, il y a de ces incriminations dans cette bande. Quand oui, il y a eu beaucoup d'incriminations. Ces incriminations seront dénoncées comme comment Tagro a été éliminé. Quand Ibrahim Koubaï. Le même Soro se permet encore de dire comment IB a été éliminé. Quand le même Soro, encore une fois de plus, se permet de dire qu'il y a des dirigeants burkinabés au Burkina, que lui, il ne va pas laisser. Je pense que la situation, elle est grave. Donc, nous allons essayer d'écouter cette bande. Nous allons écouter la bande. Nous allons faire écouter nos amis téléspectateurs du monde entier, de la diaspora, la bande. Et nous allons revenir sur ce même plateau pour encore parler de certaines incriminations dans cette bande. Si la régie, elle est prête, allons-y pour écouter cette bande. Je pense que nous savons. Allô? Oui, allô? Gilbert, ça va? Oui, ça va. Moral est bon? Ça va. Oui. Bon, ok. Ben écoute, on compte sur toi, on attend. On a fini par constituer un club. Ah bon? Oh, oui. Un club de soutien. Oui. Ah ben c'est pas facile. Non, je disais, en fait, il y en a là-bas qui sont très craintifs pour la suite, quoi, tu vois, les mutations et puis la gestion de leurs petits problèmes sociaux, là, tu vois. Et je dis que comme la dissolution va produire tout de suite les effets administratifs. Oui, je viens de voir ce que tu as fait, je viens de la... Oui, tout à fait. Bon, écoute-moi ce que je peux te dire sur la situation chez vous là-bas. Là. Je ne vois pas comment ça peut avancer. Et en plus, moi, je suis obligé d'être président ici. Hein. D'accord. Oui, parce que, bon, voilà, de toute façon, le président nous a demandé de nous retirer ces choses-là. Oui. Donc, voilà, moi, je suis plus concerné par ce dossier. Donc, je pense que il faut que tu regardes. Hein. D'accord. Okay. Bon, ce que je peux te suggérer, c'est vraiment, il faut que tu te mettes à l'abri si possible. Moi, il y a quelques jeunes là-bas qui ont essayé de me contacter, mais je sais bien que ce sont des infiltrés. Donc, je leur dis ce qu'ils veulent entendre, c'est tout. Voilà, mais je ne vais pas me mettre dans ces choses-là. D'accord. Et puis, en plus, moi, voilà, j'ai besoin d'avoir les meilleures relations avec les visas. Ça pourra vous protéger un jour. Oui. Voilà, moi ce que je te conseillerais vraiment, c'est que si tu peux donc te chercher, là moi je pourrais t'aider, tu m'envoies deux personnes de confiance. Absolument, je vais t'envoyer
par SMS deux contacts téléphoniques. D'accord. Et l'un et l'autre sont déjà absolument sûrs. D'accord. Bon, mais c'est parfait. Allez, merci beaucoup. Voilà, merci. C'était une partie de la bande que nous étions en train d'écouter. Cette conversation est supposée être entre Michel Bassolet et M. Solo Guillaume, qui était en train d'aider d'une manière Michel Bassolet à quitter le pays ou de se chercher. Mais il y avait une autre bande. Et cette autre bande, elle était une conversation téléphonique entre Michel Bassolet et Solo Guillaume, qui étaient en train de planifier un coup au Burkina et comment le coup devait se passer. Et encore une fois de plus, chers panélistes, chers invités, vous venez juste d'écouter M. Solo Guillaume, président de l'Assemblée de la Côte d'Ivoire, donner des conseils à son ami Michel Bassolet de se chercher. Rien que cela, que pensez-vous de cet acte, tout en sachant que le Burkina Faso est un État, est un pays à part. Le Burkina Faso qui traverse un moment difficile. Pensez-vous que c'était le devoir d'une deuxième personnalité, hein, d'un État, qui est la Côte d'Ivoire, à se mêler ou bien à aller loin jusqu'à suggérer à Michel Bassolet ce qu'il doit faire? Monsieur Yves? Voilà, c'est ce que je disais. Je disais que, vous savez, généralement, ce qui s'est passé ici, sans vous mentir, Guillaume Soro, c'est l'homme fort actuel de la sous-région ouest africaine. Depuis un certain temps, c'est lui qui est à la charge de ses affaires, de ses sales besognes au niveau de l'Afrique occidentale. Il est tellement puissant qu'il se permet tout. Si je peux ainsi m'exprimer, il est tellement puissant qu'il se permet tout. Donc c'est ça qui l'a amené à prodiguer des conseils à ce diplomate-là de longue date, ce qu'il doit faire. Mais je vous dis encore une fois, la Côte d'Ivoire est signatrice de la Charte des Nations Unies. Le Burkina Faso est signateur de la Charte des Nations Unies. Et que l'ingérence d'une personnalité, d'un État, dans un autre État de l'ONU ou de la CEDEAO, de l'Union africaine, est contre la charte, est punissable. Donc ce n'était pas le devoir et la responsabilité de Guillaume Soro de s'ingérer dans les affaires du Burkina Faso. C'est purement simplement une violation totale et complète. Monsieur Cherche, avez-vous quelque chose à ajouter de ce que Monsieur Kenao vient de dire concernant cette violation de la charte de l'Union africaine, de la CEDEAO, de l'ONU? Que pensez-vous de l'acte de notre cher président de l'Assemblée ivoirienne, M. Guy Kafouri Solom-Guillaume? Je crois que, M. Moussa, si nous voulons aller droit au but et faire venir la loi, pour que la loi essaie de dire réellement, de décider, je crois que on ne peut pas aller trop loin, parce que qu'est-ce qu'il y a à s'immiscer dans les affaires d'un autre pays? Nous avons vu qu'au niveau de la Côte d'Ivoire qui a souffert d'un mois à l'autre au temps de M. Gbagbo Laurent, tout s'était préparé au Burkina Faso. Le même Burkina Faso a pris le temps, le même Blaise Compaoré qui était là a pris le temps de pouvoir préparer des gens pour que ces gens-là agressent. La rébellion est née au Burkina Faso, à Pau, où ils se sont préparés. C'est de là qu'ils sont venus agresser. La même chose où aujourd'hui nous voyons, parce que cette cassette, les écoutes que nous avons écoutées, il y a eu une partie, mais ce n'était pas tout, où il a dit d'ici 48 heures, j'aurai des fonds. Je peux t'envoyer, il s'adressait à Guibri Bassolé, je peux t'envoyer quelque chose pour que toi aussi, tu rentres dans la base. Si on voit qu'il y a vraiment une opportunité, on frappe. Et M. Guibri Bassolet de dire, oui, tout à fait. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui était préparé. Quand vous voyez cette cassette, vous allez voir qu'il y a encore des mains obscures qui sont à la base de tout ce qui s'est passé au Burkina Faso. Mais si
Soro Guillaume va essayer de parler de tout ce qui s'est passé. Vous allez voir qu'il y a des personnes dans, pas seulement la Côte d'Ivoire, mais au niveau du Togo, au niveau de Congo-Brazzaville, au niveau du Sénégal, parce qu'il y a un document qui est sorti où Macky Sall était concerné, où M. Flo Yacimbe était concerné dans le PUJ, avec la Côte d'Ivoire bien sûr, et qui avait financé ce coup à raison de 160 millions de francs CFA. C'était dire que M. Ahmed Bakayoko devrait aller voir un homme un Camerounais pour venir financer la campagne. Financer la campagne, Non mais la seulement campagne de la qui? campagne de Monsieur Rock. Monsieur Rock. Monsieur Rock. Mais je dis bien que ce qui s'est passé, il y a un document qui a révélé que c'était à 160 millions de francs CFA qui a été financé pour ce qui s'est passé le PUJ. Mais revenons sur réellement, vous avez posé une question tout à l'heure pour dire que vous avez parlé de M. Soro Guillaume. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas prendre la justice pour essayer de. Parce qu'on l'accuse. Parce que quand on t'accuse, au lieu d'aller te contredire ou bien aller sur le Facebook ou quelque part, parler beaucoup, prends la justice. Et c'est la justice, il a des avocats. Que M. Soro Guillaume prenne ses avocats et ils vont essayer de démentir ce que nous voyons. Voilà. Mais nous avons entendu son. Il y a un défenseur de M. Soro Guillaume qui s'appelle M. Niamsi Franklin, qui est un docteur en philosophie. Ben, partout où il passe, il ne fait que défendre Soro Guillaume, même si Soro Guillaume n'a pas raison. Mais aujourd'hui, c'est la justice, rien que la justice, qui peut décider. Donc, si Soro Guillaume voit réellement que ses écoutes-là ne sont pas de lui et qu'on est en train de l'agacer, il y a une seule chose qu'il faut faire, c'est d'aller droit au but. Prendre ses avocats et puis aller directement à la justice pour convoquer tous ceux qui sont à la barre de toutes ces écoutes. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on reste là, dans nos salons, pour continuer d'accuser, accuser, accuser, ou bien se fâcher, ou bien de dire que ben, les gens qui sont en train de parler, je vais essayer de finir avec eux. Parce que dans cette même cassette, s'il a dit qu'il y a deux personnes, il y a si. Il y a quelqu'un qui s'appelle Shérif, C'est Shérif, Si Shérif, et puis il y a Monsieur Diallo, Monsieur non, Diallo, Si Monsieur, Diallo, non, Si Shérif, et puis un certain Diallo, oui. voilà, il va pas laisser faire, qu'il va réellement finir avec eux, parce que si ces deux-là existent, Monsieur Bassolé, il va pas avoir, en tout cas, la liberté de réellement vivre au Burkina Faso, parce qu'il a dit, dans cette même cassette, aujourd'hui, si vous avez vu que Ibé et Pistagro ils ont été tués, c'est parce que si on ne le faisait pas, on allait avoir tous les problèmes aujourd'hui. Mais en écoutant tout ceci, Tagro, Ibé, ils ont des parents. Ces parents peuvent aller déposer plainte. Mais on ne doit pas courir à la va-vite pour déposer d'abord une plainte. Ce qui se passe. Le président de Burkina Faso qui a été élu, parce que je ne l'ai pas encore vu intervenir, si vous l'avez vu intervenir, parce que j'aurais appris avec Zidane, parce que c'est là, le problème est survenu sous la transition. Du Burkina Faso, Le problème est survenu sous la transition. Donc, avant que le président, son excellent Roch, Christian Kabore, ne s'immisce dans cette affaire parce que c'est bien sûr son pays. Il est aujourd'hui l'homme fort du Burkina Faso. Il faudrait qu'il pense. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment il doit s'y prendre dans cette affaire? Parce que j'ai vu un document où Dendéré, pas Dendéré, mais où Zida a prouvé l'authenticité de ses écoutes et. Monsieur le Président, le nouveau venu, s'est emporté, il a accusé
Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui a directement intervenu pour dire. D'accord. Nous allons y venir. D'accord. Est-ce que je peux dire quelque chose? D'accord. Oui, je me tourne vers M. Yves Kenao. Nous parlons toujours de ces mêmes bandes que nous avons écoutées. Vous avez très bien écouté, comme vous l'avez si bien dit, vous l'avez écouté et réécouté. Je pense que rien n'est passé inaperçu. Que pensez-vous quand Soro Guillaume disait qu'il fallait cibler, qu'il fallait frapper des cibles fortes, et surtout l'APM? Que pensez-vous de cette déclaration dans la bande, s'il s'avère que c'est Soro Guillaume qui demandait à frapper des sites fortes, surtout l'APM, tout en sachant que cette même PM qui, en abrégé, est le Premier ministre, est son ami? Que pensez-vous de cette déclaration de M. Soro Guillaume? Vous pensiez que Soro Guillaume est en train de faire un jeu pour se faire aimer parmi tous ces gens, Diendéré, Michel Bassolet et Zida? Ou bien Soro, il est chef de guerre qu'il soit, c'est un battant de guerre, il va tout simplement éliminer tout ce qu'il rencontre sur son chemin? Voilà, vous savez, le vrai politicien, que les téléspectateurs m'excusent, le vrai politicien n'a pas d'amis. Le vrai politicien n'a que d'intérêt. Vous pouvez être aujourd'hui son ami, son vrai ami, le plus proche. Mais si demain, les intérêts qu'il poursuit, il doit vous traverser pour les atteindre, vous ne serez plus son ami. Donc, je pense que c'est cette théorie que notre Guillaume a pratiquée. Vous savez, il a dit les cibles fortes. Effectivement, c'est normal. Il ne peut pas attaquer les cibles faibles. Il attaque les cibles faibles, les cibles faibles, les cibles fortes seront là pour le contrecarrer. Donc, qui est au niveau de la transition l'homme fort? C'est M. Zida. Si, entre-temps, on disait que le Premier ministre de la transition a été assassiné, vous croyez que la transition allait exister? Non. Et là, on allait poser, on allait nommer quelqu'un que Guillaume peut bien contrôler. Vous voyez? Donc, quelque part, c'est une activité machiavélique. Je vous dis que on doit enlever ces activités-là de la scène politique, de la vie politique de l'Afrique, si nous voulons évoluer. Mais malheureusement, c'est ce qui se passe tous les jours. Mais cette fois-ci, le Dieu Tout-Puissant a voulu que le monde entier le voit. C'est tout ce qui se passait depuis des années. Même la guerre de la Côte d'Ivoire, c'est ce qui se passait entre Blaise et la rébellion. Mais cette fois-ci, Dieu Tout-Puissant a lâché. Merci, merci beaucoup. Nous avons parlé beaucoup de Soro Guillaume. Nous avons beaucoup parlé de... Je voulais un peu ajouter quelque chose rapidement sur ce qu'il a dit. Avant que vous ne comptez, parce que vous allez encore prendre un autre point. Quand M. Soro Guy, il a dit dans ses écoutes, si on frappe à l'intérieur, Kafando va fuir. Dans la bande. Oui. Mais pourquoi Kafando va fuir? Parce que Kafando était la personne qui, dans un premier temps, quand il est passé, il a engagé directement le dossier de Thomas Sankara. Et voir dans ce dossier qui devait être accusé, normalement, c'est celui qui est habillé, M. Compaoré. Donc, il fallait à tout prix faire ce coup-là pour cacher cette face-là. C'est pourquoi, parce qu'il faudrait qu'on parle, c'est pourquoi ce coup a eu lieu. Et si ce coup a eu lieu, qu'est-ce qu'il fallait faire? En Côte d'Ivoire, il devait avoir ce qu'on appelle les élections. Donc, M. Ouattara, voyant comment il fallait encore intervenir, parce qu'il s'est dit, est-ce qu'il doit avoir ce qui s'est passé en 2010, la rébellion qui s'est passée en 2010, est-ce qu'on va avoir telle rébellion? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est des calculs qui ont été faits exactement pour mener cette guerre. Mais ils n'ont pas pu réellement, tu vois, réussir. Et les cibles dont il est en train de parler, cibles fortes à viser, mais ce sont ces cibles-là qui gênent. Comme gênait aussi Ibé, parce que Ibé était l'homme fort de M. Ouattara. Il connaît tous les petits secrets. Voilà. Donc, il fallait arriver à éliminer ce monsieur. M. Tagro aussi était
un homme fort du président Laurent Gbagbo. C'était l'homme à tout faire. C'était l'homme qui avait aussi tous les secrets. Entre M. Sorou Guillaume et M. Tagro, il y a des divergences. Donc, il fallait tout faire pour éliminer ces gens-là, pour ne pas que les secrets qui se trament en bas puissent être soulevés. Parce qu'aujourd'hui, pour eux, il faut éliminer tous ces gens-là. Quand on les élimine, on ne peut plus, on peut rester tranquille. Mais je vous dis, M. Moussa, quand vous prenez cette cassette, vous allez dire que M. Soro Guillaume, il est le master de l'Afrique de l'Ouest. Il y a une bande entre Soro Guillaume et Dendéré qui dit, mais est-ce que tu as, Soro Guillaume a dit, mais est-ce que tu as parlé avec Macky? Il a donné un nom à Macky Sall. J'allais en venir. D'accord, j'allais allez-y. en venir. Comme je le disais tout de suite, nous avons beaucoup parlé des écoutes téléphoniques entre Soro et puis Michel Bassolet. Mais nous savons aussi que Soro n'a pas seulement parlé à Michel Bassolet. Soro a aussi parlé à Général Dendéré qui est présentement entre les murs pour répondre au coup d'état manqué qui a eu lieu, mais pour aussi répondre qui a été inculpé pour l'assassinat de Thomas Sankara. Soro Guillaume, mais même Soro aussi, a eu des coups de fil avec le premier ministre de la transition qui est Yacouba Zira. Donc, nous avons cette écoute téléphonique entre Soro Guillaume et puis Dendéré, où Soro Guillaume demandait de s'appuyer sur le président Macky Sall, tout en sachant que le président Macky Sall est le président de la CEDEAO. Il avait aussi mentionné dans cette même bande qu'il avait appelé en fort pour des appuis. Et il avait en même temps demandé à M. Dendéré de rester dans sa chambre et de fermer la porte pour essayer de calmer la situation un tout petit peu. Donc cela montre le pouvoir et la manipulation que Soro Guillaume avait dans cette affaire de coup d'État au Burkina Faso. Si cette bande-là, elle est prête, je pense qu'elle n'est pas aussi longue que ça. Mais Monsieur Moussa, pour nos amis téléspectateurs, on va essayer de jouer la bande concernant Dendéré et Soro Guillaume afin que nos amis téléspectateurs puissent comprendre la gravité de la situation, de quoi il s'agit au juste. Que pensez-vous, Monsieur Yves Kenao? Vous l'avez aussi écouté comme moi. Vous avez très bien entendu quand Soro Guillaume, président de l'Assemblée de la Côte d'Ivoire, deuxième personnalité de la Côte d'Ivoire, non seulement s'émince dans les affaires d'un pays voisin, mais va plus loin que ça pour donner des conseils à son ami Dendéré qui a fomenté le coup d'État. Que pensez-vous de cette situation? Vous savez, je vais vous dire que dans cette vie, il y a les chefs qui donnent des ordres. Il y a ceux qui sont des hommes de terrain pour exécuter ces ordres-là. Et puis, il y a les subalternes. Au niveau politique et étatique de l'Afrique de l'Ouest, Guillaume Soro est l'homme de terrain. C'est lui qui dispêche. C'est lui qui donne les consignes à exécuter sur le terrain. Vous comprenez? Les chefs d'État sont là. Ils ne se voient pas. Ils ne peuvent pas faire ces besognes-là. Qui va les faire? C'est ce jeune, encore sans bouillant, qu'on peut accuser. Nous parlons de lui aujourd'hui, n'est-ce pas, sur ce plateau. On ne parle pas des chefs d'État. Si c'était un chef d'État, ça devrait être beaucoup plus grave. Donc maintenant, on a trouvé quelqu'un qui va exécuter ces sales besognes sans pourtant indexer les chefs d'État. Alors que ce sont ces chefs d'État qui, grosso modo, disent que non, cette transition-là, ils sont juste arrivés, ils ne connaissent pas les traditions de la maison, ils ne connaissent pas les coutumes de la maison, ils ne sont pas encore habitués, il faut qu'on les traîne. They need training. On doit leur donner le training, la formation. Donc, en un mot, il faut quelqu'un pour leur dire que, hey, ici, c'est comme ça que ça marche. Et c'est Guillaume Soro qui s'occupe de cette tâche-là. Guillaume Soro, lui aussi, il a des gens de confiance à qui il donne des consignes, fais ceci, fais cela. Et ce sont les Dendéré, les Bassolet, les consorts, pour le cas de Burkina Faso. C'est comme ça que ça se passe. Et je vous dis que ce n'est pas seulement au niveau de la Côte d'Ivoire que le gars là est au niveau de Burkina Faso. Le gars là, il est puissant. Il va loin. Je crois que. Il a parlé de Macky Sall, il a parlé du Togo. Hein, qui c'est qui a parlé de Congo? C'est lui qui coordonne tout ça là. C'est le mind master des choses.
de la région. Merci, monsieur Yves Kenao. Monsieur Serge Niawa, que monsieur, pensez-vous? Je crois que monsieur Buzoder, il est en profondeur de la vérité, il faut le dire. Mais n'oubliez pas, il y a un gros poisson qui est habillant. Ce gros poisson-là, s'il a été pêché, je crois qu'on ne doit pas avoir affaire à tout ce qui se passe. Vous croyez que M. Soro Guillaume va se lever pour pouvoir coordonner tout ceci? C'est qu'il y a des gens qui lui donnent... Vous voulez beaucoup. Dire des mains invisibles sont des mains obscures sont mains derrière Soro Guillaume. Donc, quand Soro Guillaume parle, il a confiance en lui-même. C'est comme celui maintenant qui est le maître de l'Afrique de l'Ouest. Mais écoutez bien, le maître à jouer, c'est bien comparé. Il est assis là, mais celui qui joue aujourd'hui à tout ce que la communauté internationale lui dit, c'est on a envoyé spécialement M. Compaoré pour mettre la main sur M. Ouattara. Si M. Ouattara ne le sait pas, il n'a qu'à se méfier. Parce que demain, il va s'en trouver pour dire « Ah, on ne savait pas, voilà ce qui se passe. » Demain, M. Compaoré va entraîner la Côte d'Ivoire là où on ne va pas le savoir. Mais si Soro Guillaume, parce que c'est le poulain qui est Soro Guillaume, Soro Guillaume ne va pas se lever d'un sommet, d'un profond sommet pour parler. Parce que quand il parle le micro. Mais tous ceux qui sont devant lui là, c'est comme des gens qui n'existent pas. Ce petit, que j'appelle aujourd'hui petit frère, c'est le président de l'Assemblée nationale. Il a un circuit politique qui peut bien lui permettre d'avancer, mais avec tout ce qui se passe, je crois qu'il doit reculer avant de pouvoir sauter parce que c'est un piège qu'on a fait de le tendre. Et ce piège-là, quand il sera là-dessus, il ne va plus quitter là-dessus. Non, mais est-ce que j'ajoute quelque chose très rapidement? Vas-y. Vous savez, son temps va arriver. On est en train de l'utiliser. On va l'utiliser. Et le jour qu'il va finir de rendre service, on trouvera un autre. Je vous dis... Il ne va pas aller loin. On va l'utiliser. Et lorsqu'on va finir de l'utiliser... C'est une manière de le préparer vers la CPI. Parce que les gens ne savent pas. Voilà, bon, c'est une manière de le préparer vers la CPI. Parce qu'il faut se débarrasser de Soro Guillaume pour que le leadership qui existe entre moi, Ahmed Bakayoko Soro Guillaume, quelqu'un puisse prendre la place. Ouais, tu as compris. Donc, voilà. si je comprends très bien, amis téléspectateurs et mes panélistes, je ne sais pas si vous avez constaté, à chaque fois que Soro Guillaume apparaît pour parler, il dit qu'il est un homme de mission. Cet homme de mission, est-ce que Soro Guillaume est en train de dire indirectement qu'il a été envoyé par X ou Y? Ça, c'est ma première question à vous deux. Mais l'autre question, elle est quoi aussi? Est-ce que nous pouvons dire que le Burkina Faso sera paisible en tant que Blaise Compaoré qui s'est réfugié en Côte d'Ivoire et qu'il y a de ces coups d'État manqués qui sont planifiés à partir de la Côte d'Ivoire, pouvons-nous dire que la stabilité sera au rendez-vous au Burkina Faso, même avec cette nouvelle équipe qui va venir s'installer? Bien sûr, cette nouvelle équipe, le gagnant, M. Roch Marc Christian Kabore, est un homme de Blaise Compaoré, mais il y a eu un discorde entre les deux. Pouvons-nous dire que ce Soro, homme de mission, qu'est-ce qu'il veut dire par là, homme de mission? Quelle est votre interprétation de « je suis homme de mission » à chaque fois quand nous l'entendons de la bouche de Soro Guillaume? Je crois qu'il faut comprendre. Soro Guillaume, il a été invité au sommet des Africains qui a lieu en France, quoi qu'en France, hein, COP 21. Yeah. Voilà, ce sommet a eu lieu à Paris. Ouais. Donc il a été invité spécialement par le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour aller représenter le gouvernement de la Côte d'Ivoire en tant que numéro 2. Il a été invité par la Côte d'Ivoire. Voilà, quand on parlait de cette histoire de mandat d'arrêt, on va arriver là, mais ils ont envoyé sa feuille de mission pour dire que Soro Guillaume est en mission. Donc, on ne doit même pas essayer de l'embrouiller, mettre la main sur lui juridiquement parlant. Je crois qu'il est en mission et c'est de ça qu'on veut parler. Maintenant, de l'autre côté, Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire, effectivement, Monsieur Kabore, Christian l'a dit, on lui a posé cette question. Que pensez-vous de la présence de Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire? Il a bien dit que ce qui gêne, c'est pas le fait que Blaise Compaoré soit en Côte d'Ivoire qui gêne, mais ce qui gêne, c'est qu'il s'immisce dans
la politique du Burkina Faso. Et ça, c'est encore plus gênant. Donc, il y a un doute qui est là. Ça veut dire que, comment on appelle ça, Christian, Rock Christian, c'est des problèmes. Il a un défi à lancer, il y a un défi à relever. Parce que si Blaise est toujours en Côte d'Ivoire, il y a quelque chose, je dis, qui va se passer. Parce que c'est Blaise Compaoré était au Burkina Faso. La Côte d'Ivoire a été déstabilisée. Blaise Compaoré, ce même Blaise Compaoré, passe où? En Côte d'Ivoire. Et le Burkina Faso est déstabilisé. Et le Burkina Faso va toujours continuer d'être déstabilisé. J'ai peur pour M. Zida. C'est peut-être la personne qui va être liquidée bientôt parce qu'il a dit la vérité. Il n'est pas d'accord avec, il n'est pas d'accord avec Soro Guillaume. Alors que Soro Guillaume n'étant pas d'accord avec lui, vous croyez que ce petit... Non, tout ce qui se passe, il l'a dit dans la cassette que vous avez. Il faut éliminer les gens. Lui-même, il a dit que si ces gens, on ne les élimine pas, il y a un sérieux problème. Donc, M. Rock, qui vient d'être élu, il n'a qu'à prendre ses responsabilités pour pouvoir régler ce problème. Puisque ce sont beaux qui est Alassane Ouattara, je pense que M. Alassane Ouattara lui-même, il a intervenu pour dire que il attend le nouveau gouvernement et ils vont essayer de voir comment ils vont régler cette situation d'écoute. Mais c'est très grave parce que les Burkinabés attendent. Les Burkinabés ne sont pas totalement dans leur peau. Ils veulent cette paix. Ils ont élu ce monsieur pour qu'il puisse partager plus tard cette démocratie et aussi la justice, qui était la justice des vainqueurs, elle puisse être une réalité. Okay. Merci. Monsieur Yves. Voilà, vous avez demandé si... Monsieur Guillaume Soran parle de d'être ambition, d'être ambition. Il y a deux. Politiquement, il veut faire croire aux gens que lui, il est là pour apporter la paix, la réconciliation. Tu comprends? Ça, c'est une mission. Et j'ai la mission de vous sensibiliser, de vous dire ceci. Mais l'autre mission qu'il est en train de dire, sans le dire, c'est que ce n'est pas moi-même. Je ne suis qu'un messager. Tout ce que je fais, tout ce que je dis, ce n'est pas moi. Moi, je ne suis que le porteur, le canal de transmission. Vous comprenez? C'est ça. Mais là encore, et là encore, il y a un mais. Nous ne voyons pas celui qui est derrière, nous voyons celui qui le dit. Nous n'entendons que la voix de celui qui le dit. Nous ne voyons que celui qui le fait. Mais, il ne sera que coupable de ce qu'il a dit. Pas de celui qui l'a envoyé, pas de ses maîtres. C'est pourquoi le maître est dans l'ombre. Merci. La question, maintenant je reviens un tout petit peu sur cette situation de paix de Burkina Faso. Monsieur Moussa et chers téléspectateurs, je pense que la question, cette question, était posée au Burkinabé lors des élections, lors du scrutin de dimanche. La question leur était posée de tourner définitivement et complètement la page de Blaise Compaoré. Mais ils ne l'ont pas compris. Et encore une fois, ils ont mené quelqu'un qui ne peut pas inquiéter, qui ne pourra pas inquiéter Blaise Compaoré. Je suis désolé de vous dire que M. Kabore ne fera rien pour inquiéter Blaise Compaoré. La preuve, il s'est indigné contre l'ex-premier ministre de la transition d'avoir dénoncé... C'est là où nous en venons. Mais M. Moussa, je crois qu'avant d'arriver là-bas, je voulais ajouter quelque chose. Il y a un certain Kéi qui est ivoirien, aujourd'hui qui se manifeste pour dire qu'avec toutes ses écoutes, Soro Guillaume est innocent. Et que Soro Guillaume, aujourd'hui, ce qu'il veut faire, Soro Guillaume est en train de se battre pour pouvoir libérer son ami Blegoudé. Mais regardez tout ceci. Tu vois? Regardez tout ceci, ces histoires qui arrivent. Il faut maintenant prendre le nom de tous ceux qui sont en prison pour se faire... Les impliquer. Pour les impliquer. Non, ce n'est pas pour les impliquer, s'il vous plaît. Maintenant, c'est eux qui vont jouer le rôle. Voilà.
Ils vont jouer, voilà, ils vont jouer ce rôle-là. Mais la paix au niveau de Burkina, il faudrait qu'on fasse beaucoup attention. Ce Guillaume ne fait pas pour une réconciliation, ni pour la paix pour le Burkina Faso. Merci. Nous allons écouter les conversations, la déclaration du Premier ministre de la transition, Zida Yacouba, parce que il y avait des polémiques sur les écoutes. Il y avait beaucoup de questions qui n'ont pas eu de réponse quant à l'authenticité de la bande que nous avons tous écoutée sur les réseaux sociaux de 16 minutes. Mais pour un premier ministre de la transition, qui est le chef du gouvernement pendant un an, si M. Zida a pu prendre ses courage à deux mains pour venir devant une radio locale, la Savannah Radio, pour faire une déclaration, de faire comprendre l'authenticité de cette bande, je pense que cela élimine la polémique de l'authenticité de la bande, si elle est authentique ou bien si elle n'est pas authentique. Nous allons parler à notre régie. Si elle est prête, on va écouter M. Zida pour cette déclaration. La régie, s'il vous plaît. C'est dommage parce que, effectivement, nous sommes au courant de ça, mais nous sommes nous aussi surpris de l'attitude de ces deux individus-là qui nous pensions, en tout cas, il n'y a pas très longtemps, que c'était des citoyens qui aimaient leur pays. Mais quand on voit les propos qui sont tenus. Donc, pour vous, la bande est authentique. Non, elle est authentique, il n'y a pas de débat. Moi, je ne discute pas sur ces questions-là. Il ne faut pas douter de l'intelligence du peuple burkinabé. Tous ceux qui ont pu écouter ça, qu'elle est authentique, à moins d'être de mauvaise foi. Donc, je vais dire que si vous vous engagez à faire venir des forces étrangères pour brûler votre pays, parce que vous rêvez du pouvoir, ça veut dire qu'il y a un problème. On peut vouloir le pouvoir, on peut avoir des ambitions, mais je pense que quelles que soient ces ambitions, l'intérêt national, l'intérêt du pays doit passer avant. Donc vraiment, je suis surpris. Je les connais tous les deux, très bien d'ailleurs, et vraiment, je suis très déçu. Le général Guy Bassolé avait prévenu, vous avez mis en garde, il avait dit sur les antennes de médias audiovisuels internationaux, je mets en garde ceux qui tenteraient d'exclure certains Burkinabés de la compétition électorale. Oui, mais ça, c'est une ambition démesurée. Parce qu'à un moment, il faut, comme je l'ai dit, s'arrêter et s'interroger. J'ai mon ambition, je veux être président du FASO. Mais est-ce que ça a quel prix? Il faut brûler la moitié du pays pour être président sur l'autre moitié qui reste. Je pense que quand même, il y a une limite à ne pas franchir, quoi. Je pense qu'il faut savoir raison garder, quelle que soit l'ambition qu'on a. Je pense que nos pays, nos peuples c'est sacré. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toucher. Il ne faut pas compromettre la vie des uns et des autres parce que tout simplement, tu veux être président du FASO. Donc, ça ne va pas vraiment entre vous et Guillaume Soro. Oui, j'allais poser la question. Il y a on dit qu'il vous a invité à Lomé, vous n'êtes pas allé. De les rencontrer. Non, bon, je pense que nous étions amis jusqu'à une certaine date, c'est vrai. Et quand je suis sorti de la prison, j'ai demandé à Guillaume Soro pourquoi il n'avait pas condamné le coup d'État. Je ne comprenais pas. Et il m'a dit non, bon, vraiment, il n'avait pas pensé, mais bon, comme je l'ai dit, il est prêt à condamner le coup d'État. Il m'a même demandé un texte. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai rédigé dans mon bureau, je l'ai envoyé le texte par mail. Le lendemain, quand j'ai vu qu'il n'avait pas encore condamné le coup d'État, il m'a dit non, voilà, lui, il a montré le texte au président Alassane. Le président Alassane ne veut pas qu'il condamne le coup d'État. Il a dit non, de laisser que c'est une affaire entre Burkina. Je lui ai dit, mon ami, tu sais, ces gens-là qui sont enfermés dans le camp Navacom, là, ils sont finis. C'est pas la peine. Donc, tu as intérêt à condamner le coup d'État avant que ce ne soit trop tard. Sinon, je suis désolé, mais on ne pourra pas te tirer d'affaire parce que nous avons suffisamment d'éléments qui prouvent ton implication. En ce moment, vous saviez déjà ce qui s'est passé. Mais bien sûr, je savais. Et vous lui demandiez quand même de condamner le coup d'État. Vous vouliez les tester, en fait. Non, pas pour voir sa réaction. Non, vous savez, je pense que tout le monde peut faire une erreur. Oui, je pense que tout le monde peut faire une erreur et que. C'est suffisamment grave, hein? Oui, c'est suffisamment grave. Parce qu'il dit de tuer Salif Diallo. Même moi-même, il a dit de me tuer. Mais on n'a pas entendu ça. Il y avait ça? Bah, dans la partie qui est publique, là, il n'y a pas le nom de Yacouba Isaac Zida. Ah non, vous n'étiez pas visé. Non, vous n'avez peut-être pas écouté parce qu'il a dit de viser des cibles fortes, surtout le PM. Oui, c'est ça, effectivement. Il a dit le PM. Ah, peut-être le Premier ministère comme institution. Non.
En tout cas, c'est vous voulez comprendre ce que vous voulez, mais non, écoutez. C'est votre personne qui était visée. Oui, bien sûr, c'est ma personne qui était visée. Maintenant, monsieur le président. Ce n'est pas grave, il a le droit de viser ma personne s'il pense qu'à un moment, bon, ça mais peut. Mais qu'est-ce qu'il peut gagner? Mais ce qui est important pour moi, c'est que j'ai toujours tenté de raisonner, quel que soit le niveau d'échéance que vous avez atteint, de mon point de vue, on peut toujours tenter de récupérer les gens. Mais à un moment, quand je me suis rendu compte que vraiment il y avait un entêtement, je l'ai dit clairement, mon cher ami, tu as fait un mauvais choix et ce choix va être... Voilà, amis téléspectateurs, c'était la conversation téléphonique, la déclaration, je dirais, du premier ministre de la transition burkinabèse, M. Yacouba Zida. Vous l'avez suivi avec nous sur notre plateau ici, de ce que le premier ministre de la transition burkinabé vient de dire, authentifier cette bande. Il dit qu'il n'y a pas de question là-dessus, on ne peut pas duper le peuple burkinabé, comme il a si bien dit. Monsieur Yves, monsieur Serge, merci encore une fois de plus. Vous venez tout de suite d'écouter la bande et de ce que le premier ministre a dit. Est-ce que cela veut dire que il y a une discorde entre Soro Guillaume et le premier ministre Yacouba Zida, qui était son ami? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, en même temps, pensiez-vous que M. Yacouba Zida, en tant que premier ministre de la transition, était en train de plaider pour la cause de Soro Guillaume? Pourquoi il l'a fait? Que pensez-vous de cet acte? Parce que quand il dit qu'il a dit à M. Soro Guillaume de condamner le coup d'État, et que quand Soro ne l'a pas fait, il aurait demandé à Soro de le faire, sinon on ne pourra pas lui tirer d'affaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela vous dit? Bah, monsieur Moussa, dans un premier temps, la première question, la discorde entre Soro et puis Zida, je crois qu'elle est consommée. La discorde est là, parce qu'on ne peut pas, directement dire que quelque chose est rouge et puis dire le contraire. Donc la discorde, elle est totalement consommée. Maintenant, parlant de Zida en disant à Soro Guillaume de condamner le coup d'État. Soro Guillaume peut condamner le coup d'État en tant que qui? Ce n'est pas le président de la République de la Côte d'Ivoire. Il est le numéro 2. Il est le président de l'Assemblée nationale. Mais Zida, il dit qu'il a fait une note à Soro Guillaume de condamner ce coup d'État. Je n'arrive pas à comprendre cela. Effectivement. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe là. Pourquoi c'est Soro Guillaume qui doit condamner le coup d'État si le président de la République de la Côte d'Ivoire est là? Pourquoi Soro Guillaume va condamner le coup d'État? Si Soro Guillaume condamne le coup d'État, c'est qu'il y a quelque chose en bas que vous ne voyez pas. Qui, Zida, en tant que premier ministre de la transition burkinabèse, doit être au courant? Parce que Zida, un premier ministre... Zida, Moussa... Zida est au courant de tout ce qui se passe, mais il a aussi une peine pour sa vie. Il a une peine pour sa vie. Parce que c'est quelqu'un qui est déjà liquidé là où il est, quelqu'un de sacrifice qui est là, là où il est. Il faudrait qu'on se dise la vérité, il ne faudrait pas qu'on casse les choses. Donc, actuellement, c'est l'homme fort de la transition, parce qu'on ne voit même pas Cafando. On ne voit même pas Cafando. Il a intervenu seulement sur les antennes de l'ONU et puis c'est fini. Mais Zida veut maintenant faire passation de service. Donc, avant de faire passation de service, il faudrait qu'il épuise tous les dossiers qu'il a dans ses mains. Donc, le dossier de Soro Guillaume, les écoutes, si Zida n'intervient pas pour ces écoutes-là, ce n'est pas bien. Donc, il va essayer de faire cette passation de service. Et cela va amener aux gens de comprendre, même si on l'écarte du gouvernement, il ne sait pas quel poste il va occuper demain, on peut peut-être le mettre de côté, parce que ce qui se trame en bas, je crois que ça va être dur. Si Zida, on le met de côté et qu'il réussit à partir de Burkina Faso, il y a un autre coup d'État qui va se préparer. Donc, comme l'a dit le président M. Rock, il a pris le pouvoir. Il y a eu une transition qui a fait un travail colossal, un travail énorme, un travail de régularité, un bon travail. Il faudrait qu'ils reconnaissent en cela et prendre tous ces gens-là pour travailler avec eux. Merci. Monsieur Yves Kenao, juriste de formation, que pensez-vous de cette déclaration de monsieur le premier ministre Zida Yacouba qui demandait à Soro Guillaume de condamner les coups d'État?
non pas seulement de condamner le coup d'État, il a eu le courage de l'envoyer un texte pour l'expliquer comment condamner ce coup d'État. Et quand Soro ne l'a pas fait, il aurait dit sur la même bande, sinon même pas une bande, une déclaration à la radio, dans une radio locale, comme quoi que ceux qui sont en prison, ils sont finis, qu'il a intérêt à faire condamner ce coup d'État, que sinon on ne pourra pas lui tirer d'affaire. Pourquoi un premier ministre d'une transition burkinabèse veut-il aussi aller si loin pour défendre le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire? Mais Monsieur Moussa, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas la situation entre le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la situation dans la sous-région ouest-africaine. Monsieur Guillaume est l'homme fort de la situation. Vous n'êtes pas sans savoir que quand Blaise Compaoré était au pouvoir, qu'est-ce que était le premier ministre de la transition, Zida? Qu'est-ce qu'il était? Zida était quoi quand Blaise était au pouvoir? Zida était un général. Et qui te dit que Zida n'a pas contribué à cette guerre de Burkina Faso? C'est là qu'ils se sont tissés les amitiés. C'est là qu'ils se sont connus. Donc les deux avaient travaillé pour la même cause. La même cause, c'est-à-dire la même cause, la guerre de la Côte d'Ivoire. Vous voilà, religion, voilà, parce voilà. Que vous voilà, dire la guerre voilà, de Burkina Faso. Même, qui vous dit, mais, non, la guerre de la Côte d'Ivoire, c'est là que Guillaume et Zida se sont fait des amis, de sérieux amis. Voilà que maintenant, un ami est président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Il s'est fait qu'après quelques années, le second ami au Burkina Faso a eu la chance d'être premier ministre de la transition. Et maintenant, c'est celui qui est le premier ministre qui est en problème, en difficulté. Et il se fait que les difficultés viennent du président de du pays du président de l'Assemblée. Donc, pour faire croire à nous, peuple, que le président de l'Assemblée n'est pas concerné, je te demande en tant qu'ami de condamner ce qui s'est passé chez moi. Comme cela, on te lave, on te sort du problème. C'est ça qu'il dit, sinon on n'arrivera pas à te sortir du problème. C'est que si Guillaume Soro avait condamné catégoriquement et systématiquement le coup, son ami Zida allait crier que Guillaume ne connaît rien de cela. Et quand il a refusé, Zida a compris que « Ah, donc le gars me cherche ». Et c'est là qu'il a dit que les amitiés sont terminées. Mais M. Kenao, si M. Zida, M. Soro Guillaume condamnait ce coup d'État... Lui aussi, il est fini. Non seulement il est fini, mais les écoutes que nous avons prises dans les réseaux sociaux... Les écoutes ne sortiraient plus. Non. Je te dis. Il y a un problème de leadership entre M. Amel Bakay. Vous ne savez pas comment est-ce que ces écoutes sont sorties. Je dis bien si les écoutes... Il y a quelque chose... Si le gars avait condamné, les écoutes ne sortiraient. Il y a quelque chose que je vais faire sortir. Je vous en prie. Je vous en prie. Il y a quelque chose que je voulais sortir. Un instant, je vais revenir à vous. Je vais revenir à vous. Mais je pense que les écoutes étaient déjà sorties. Bien. Oui, bien sûr. Les écoutes étaient déjà sorties. Avant. C'est pourquoi il n'est pas condamné. J'arrive. Écoutez, on a demandé à Soro de condamner. Non, écoute, quand est-ce que non, il lui a demandé avant même que la Côte d'Ivoire ne dise quelque chose sur le coup. Or, dès que le coup s'est passé, si deux jours après, la Côte d'Ivoire ou Guillaume Soro condamnait systématiquement le coup, le Premier ministre sera à mesure de le défendre. Mais pourquoi est-ce que c'est Soro Guillaume qui va forcément condamner? Il a une responsabilité. Ce que je voulais dire ici, qu'on doit comprendre. Nous sommes là en train d'accuser Soro Guillaume, en train d'accuser Bassolé. Mais je dis bien qu'il y a un gros poisson qui est habillé. Je comprends. Et ce gros poisson, c'est sur lui se repose tout ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Parce que dans son interview, M. Zida, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit bientôt... Il dit, je suis surpris de l'attitude de ces deux hommes. Qui est le deuxième? Il parle de Bassolé et de M. Soro Guillaume. Voilà. Mais M. Bassolé, est-ce que M. Bassolé, sur lui, a les moyens
possibles, les moyens logistiques pour faire cette guerre. Non. Tout vient de l'autre côté d'Abidjan où Blaise Compaoré est. Et ce qui m'étonne, quand M. Blaise Compaoré a fait le coup d'État, où est aujourd'hui Thomas Sankara? Thomas Sankara, il est mort. Ouais. On ne voit plus Thomas Sankara, l'homme qui avait l'idéologie panafricaniste pour changer l'Afrique. Il se battait contre les anti-impérialistes. Moi, je dis où il est. Donc, quoi qu'on fasse, si aujourd'hui, Blaise Compaoré, après ce qu'on appelle le coup d'État, ne vivait plus, vous croyez qu'on allait avoir ça aujourd'hui? Lui, il tue son ami. Mais c'est lui qu'on protège pour l'amener en Côte d'Ivoire. Et voilà tout ce qui se passe. On va accuser Soro, on va accuser Bassolé. Moi, je pense qu'on perd qui, le temps. Qui vous accusez maintenant? Vous ne pouvez pas accuser Blaise. Mais on ne peut pas accuser Blaise. Mais depuis fort longtemps, on ne l'a même pas impliqué dans tout ça. Et puis... Voilà, je te pose la question. Maintenant que la chance est donnée au peuple burkinabé de tourner la page. Les amis, les chers panélistes, nous avons l'écoute en téléphonique, la bande entre Soro et Djendjeré. Ok. On va, si la régie elle est prête, on va écouter cette bande. Où dans cette même bande, il y a Soro qui était en train de demander à Djendjeré de rester dans sa chambre et pour décamper la situation un peu. Il y a même ce même Soro qui avait demandé à Djendjeré de s'appuyer sur Macky Sall, qui est le président de la CEDEAO. Mais il avait en même temps aussi donné l'assurance. C'est un trio. L'assurance à Djendjeré qu'il allait appeler fort. Donc, si nous comprenons très bien dans cette histoire, ce n'est pas l'implication, ce n'est pas la Côte d'Ivoire seulement qui est impliquée ou qui était impliquée directement ou indirectement dans cette affaire de coup d'État qui s'est passée au Burkina. Parce que pour que Soro puisse avoir le courage d'appeler Togo Faure Yassimé pour parler avec lui et demander à Djendjeré aussi d'appeler, de s'appuyer sur Macky Sall. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas seulement que la Côte d'Ivoire qui était là et qui cochonnait cette coup d'État. Donc, écoutons cette conversation téléphonique entre Djendjeré et puis M. Soro Kikafuri-Guillaume, si la régie elle est prête. Oui, allô? Comment ça va? Bien, c'est toi qui m'as appelé entre hier et hier, mais je te jure que je ne dors pas ici la nuit. Hein. Je te jure que je n'en dors pas. Alors, le PA a voyagé, il y a un choc, évidemment. Oui. Et bon, écoute, je suis tout ça. Je viens d'avoir notre ami, c'est qui là? Notre ami de la Côte d'Ivoire, là, il vient de m'appeler. Oui. Lui aussi, il fait beaucoup, beaucoup de mauvais. Il voulait passer ici pour voir ensemble quoi faire, quoi, tu vois. Ok. Donc, non, je vais attendre que le président arrive là, et puis on étudie ça, et puis je le fais venir, quoi. Comme ça, tu n'es pas trop bougé, apparemment. Voilà, je te dirais. Non, en fait, si tu veux, lui, par rapport à lui, je recommanderais plutôt beaucoup de prudence. Gilbert, d'accord, ok. Non, l'ami de Côte d'Ivoire, là. Parce que tu sais que quand il était ici, malheureusement, il a pris trop de contacts. Tu sais, il est très, 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 très passionné. Oui. Et il a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de contacts avec la femme de l'intéressé. Ok. Voilà, donc, et quand il partait, bon, comme il avait un véhicule immatriculé Côte d'Ivoire, bon, moi, j'avais un agent avec lui. Bon, ils se sont zélés, ils ont pris avec une calache, machin. Ah, donc, il a été interpellé à 100 km d'ici. Ok. Ça fait grand bruit. Mais tu connais le contexte d'ici, là. Et la gendarmerie l'a interpellé. Bon, ils ont fait quelques investigations. Mais quand moi j'ai vu le commandant de la gendarmerie, la chose s'est arrangée à Ouaga. Vraiment, sans problème, tout est rentré dans l'ordre. Il a pris l'avion, il est parti. Mais les investigations. Il est un peu grillé. Voilà, tu as tout compris. J'ai compris. C'est-à-dire. C'est allé un peu loin. Il y a des éléments que les gens ont pris, en particulier des contacts téléphoniques, des SMS, des
même avec la femme de l'autre de Gilbert ici. Bon, et c'est paru dans la presse. D'accord. Tu vois, du coup, moi-même, je l'ai appelé à Abidjan. J'ai dit, bon, écoute, fais le dos rond. Calme-toi. Débranche, voilà, ne bouge plus, surtout. Le téléphone, voilà. Voilà, et parce que bon, moi, quand tu vois des exercices comme ça, je préfère préserver mes amis. Bien sûr. Voilà, parce que bon, lui il n'est pas précautionneux comme toi et moi. Il peut te servir de lui contre toi, c'est aussi ça. Exactement. Ils connaissent vos relations. Exactement. Et puis en plus, lui, il est bien connu ici. Tu sais, il connaît très bien tous les rocs, les ablacés. Donc, il les connaît très bien. Ils vont lui en vouloir, d'ailleurs. Il les a bien rencontrés et tout ça pendant le voilà, soir. Voilà, voilà. Donc, je recommanderais beaucoup de prudence. D'accord. Maintenant. Okay. Voilà, okay. Comme ici, il s'est un peu exposé. Voilà, je lui dirais avec beaucoup de diplomatie d'attendre un peu qu'on se prépare. D'attendre un peu, voilà. De bouger. Allô? Allô, mon Jean? Oui. Il faut jouer le temps. Demande à parler au président Macky Sall. Oui, j'ai eu le président Macky Sall tout à l'heure. Oui. Bon. Qu'est-ce qu'il dit? Non, il dit qu'il va prendre des contacts, il va rappeler. Voilà. Ah. D'accord. Bon, on dirait que c'est le président. Je viens d'avoir le président Fort, il va appeler le président Kapando aussi. Kapando est parti à New York, c'est ça? Ah. Voilà. Bon, donc Ouattara a informé, je cherche encore à informer tout le monde pour qu'on fasse un peu de pression sur la nonciature. Mais pour le moment... Le problème, c'est qu'ils ont déjà envoyé les gendarmes qui sont là à la porte. Non, toi, tu es dans une chambre, non? Oui. Bon, reste dans ta chambre pour le moment. Ferme la porte et reste dans ta chambre pour le moment. Le temps que quand même les coups de fil viennent et que la situation se décante. Ok. Merci mon Jean. Que nous étions en train d'écouter entre Soro Guillaume et M. Djendjere. Malheureusement, la bande n'est pas aussi tellement bien que nous pouvons très bien entendre. Nous espérons que nos amis téléspectateurs de Tempo Afrique TV vont très bien comprendre. Quelque part aussi, il y avait cette autre conversation téléphonique entre M. Djendjere et puis Rebecca. Donc, une fois de plus, ça ne prouve que l'implication du président de l'Assemblée ivoirienne, la deuxième personnalité de l'État ivoirien, M. Soro Guillaume, qui se trouve le nez dans les affaires du Burkina Faso. Que pense le nouveau gouvernement, Monsieur Roch Marc Christian Kabore, de tout ça? La déclaration de Monsieur Marc Roch, elle ne s'est pas fait attendre quand Monsieur le Premier ministre de la Transition, Monsieur Zida, était venu sur la zone pour authentifier, pour dire officiellement que cette bande, elle est authentifiée. Donc, Roch Marc Christian Kabore n'était pas très content de ça. Et un membre de son parti est sorti pour dire que la transition était là pour conduire les affaires. Maintenant qu'il y a un président démocratiquement élu, de lui laisser le soin de prendre les destinées du Burkina Faso et de gérer cette histoire d'ingérence de Soro Guillaume ou bien de la Côte d'Ivoire dans les affaires du Burkina Faso. Déjà, Christian Roch Kabore n'a même pas pris fonction. Il y a des syndicats qui commencent à faire des revendications. Donc, la tâche ne lui sera pas du tout facile. Avant même de prendre le pouvoir, déjà, il y a des remue-ménages. Et avec mes chers invités, je m'en vais demander à M. Yves Kenao, que pensez-vous de la réaction du Roch Marc Christian Kabore quand il disait qu'il n'a pas encore pris fonction et que déjà il y a des revendications et que ce problème devait être
à son niveau maintenant et que la transition devait s'en laver les mains et de lui laisser prendre les rênes du Burkina Faso. Voilà, encore une fois, je dis que dans cette histoire du Burkina Faso, il y a trop d'amateurisme. Il y a trop d'amateurisme, d'autant plus que la transition ayant pris fin avec l'élection d'un président, le premier ministre Zida de la transition, le premier ministre de la transition, devrait purement et simplement faire passation de service. Il n'a plus à ouvrir un dossier, un grand dossier. Il n'a qu'à gérer les affaires courantes. Et ce dossier d'écoute. Mais ne pensez-vous pas que cette déclaration de Zida est une affaire courante de la transition? Non. C'est une affaire étatique qui est encore en cours. Quand je dis affaire courante, c'est-à-dire que, bon, signer un papier, ça là, c'est en cours. Et là où le président élu ou l'un de ses membres qui a fait la déclaration a raison, c'est que n'oubliez pas qu'il s'agit de deux pays indépendants. Ça peut être source d'incidents diplomatiques. La Côte d'Ivoire peut dire que le Burkina Faso, cette fois-ci, le Burkina Faso est en train d'accuser le président de son assemblée d'ingérence dans les affaires intérieures de Burkina Faso. Ça peut être un incident diplomatique. Donc, normalement, pour des professionnels, le premier ministre sortant fait la passation de cette affaire. Et maintenant, c'est au président élu de revenir à la charge et de demander à la Côte d'Ivoire de justifier cet acte de son président de l'Assemblée nationale. Mais ça n'a pas été fait. Ils apprennent. Hein? Je pense que si la situation revenait, et c'est une situation qu'il ne faut plus souhaiter qu'elle revienne. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est au président élu de Burkina Faso de prouver que ce que son représentant, le représentant de son parti, a dit n'est que une chose passagère. En faisant quoi? En revenant donc à la charge de ce dossier. Mais s'il ne le fait pas et qu'il s'y se tait, ça va implicitement dire qu'il protège celui qui est de l'autre côté de la frontière. Merci. Monsieur Serge Niawa. Merci, monsieur Diawara. D'abord, avant de répondre à votre question, on a écouté deux types de cassettes. Oui. La première écoute, c'était entre Diendéré et Rebecca. Sur les réseaux sociaux, nous avons appris que Rebecca était la copine et la copine de M. Flor Yassingbe. C'est ce que nous avons appris. Ben, quand on parle de là, dans ces écoutes, il faut dire que Diendéré code son langage. Quand vous écoutez très bien, il est très intelligent. Quand vous allez prendre ce langage, est-ce que vous allez l'accuser? Qu'est-ce que vous allez dire? Mais dans tous les cas, M. Soro Guillaume qui parlait là-dedans, qui parlait au niveau de la deuxième cassette, bien sûr. Oui. Il a dit, est-ce que tu as pu appeler... il a donné un surnom à Macky Sall. Mais je n'ai pas essayé de choses ce surnom-là, mais il a donné un surnom à Macky Sall. Est-ce que tu as parlé avec Macky Sall? Et Denis a dit, oui, je l'ai appelé déjà. C'est pas Macky? Macky, quelque chose comme ça. Il dit, je l'ai appelé déjà. Il dit, bon, et Flor Yassingbe, et le président Flor. Donc, tout de suite, ces noms-là sont sortis. Ça veut dire que tous ceux-là, là, ils sont impliqués dans tout ce qui se passe au Burkina, dans la déstabilisation de Burkina Faso. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait d'annoncer le nom de Macky Sall, est-ce que ce n'est pas dû au fait que Macky Sall est le président de la CEDEAO et que Macky Sall avait été dépêché tout de suite sur le champ pour aller au Burkina, aller essayer de décamper la situation. Parce qu'on se rappelle encore à l'éclatement de cet coup d'état manqué. Mais M. Moussa, je vous arrête tout de suite. J'arrive. Attendez. Yeah. À l'éclatement de cet coup d'état manqué, Macky Sall et puis Boni Yayi avaient été dépêchés au Burkina Faso pour aller essayer de voir comment contrôler la situation. D'accord. Est-ce que vous ne pensiez pas Monsieur Moussa, que le fait de donner le nom de Macky Sall est dû au fait que Macky Sall il est l'actuel président
Monsieur, de la CEDEAO. Monsieur Moussa Macky Sall, dans un premier temps, au Burkina Faso, il était déjà vomi. Les gens n'ont même pas accepté à ce que Macky Sall même venait. Mais c'est Ayi Boni qui a fait le travail de fond. Il faudrait qu'on le comprenne. Et ces écoutes-là, quand vous les prenez et que le nom de Macky Sall est sorti dedans, le nom de Flore est dedans, ça c'est un réseau. Ça dit que c'est la déstabilisation même que les gens sont en train de faire, mais il faut écouter cela. Maintenant, pour répondre à votre question, Yves a dit qu'il condamne, le gouvernement en place. Mais je dis qu'il n'y a pas encore eu d'investiture pour que les grands dossiers montent de l'autre côté. S'il y a maintenant l'investiture, Zida pourra se laver les mains de tout ce qui se passe. En ce moment, le président qui a été élu va prendre fonction, il va s'occuper de ce problème. Tant qu'il n'y a pas eu d'investiture d'abord, il ne peut pas se permettre de prendre ce problème. Mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Là, le président, le premier ministre sortant ne devrait pas faire cette déclaration. Ah non, il doit vider tous ses dossiers. Non, il ne doit pas. Il doit le faire parce qu'il a un dossier qui est lourd. Okay. Là, il devrait le qui faire. Qui va le vider en... Entre nous, il devrait le faire au Conseil des ministres. Okay. Oui, peut-être que tu as raison, mais il y a eu aussi un contentieux entre les idées et puis sur l'autre. Donc, il fallait qu'il le mouille aussi. Mais qu'est-ce qui prouve que Zida n'a pas été appelé pour dire il faudrait que tu essaies d'intervenir. Okay, parce que les appels. Chers panélistes, je pense que nous avons encore à couvrir cet mandat. Je crois qu'on va avoir une rallonge. On aura une occasion. Tu sais ce que j'ai dit, ce que j'ai fini par comprendre dans cette histoire de Premier ministre. Premier ministre a voulu seulement payer le coût de ce mot. En bombardant. Ça, moi, j'appelle ça une bombe. C'est une scène qui est montée. Il faut comprendre cette scène-là. Nous allons avoir l'occasion d'en parler dans d'autres débats parce qu'il y a le grand débat de Serge Niawa qui est chaque samedi. Il y a M. Yves Kenao qui aussi a son special edition. Et puis il a l'œil sur la caméra. Donc nous aurons l'occasion avec nos chers téléspectateurs pour développer. Je crois qu'on a parlé de dernier point sur ce débat. Maintenant, nous allons changer un tout petit peu parce qu'il y a presque une crise, un incident diplomatique entre la Côte d'Ivoire et la France. Il s'agit de qui encore? Il s'agit de ce même Soro Guillaume, qui est le président de l'Assemblée de la Côte d'Ivoire, contre qui il y avait eu une plainte déposée par Michel Babo, qui est le fils de l'ancien président qui est à La Haye, Laurent Babo, qui avait déposé une plainte en France contre... Soro Guillaume, parce qu'à l'époque, il est défait, il était premier ministre et il était aussi ministre de la Défense pour maltraitement. Donc, Soro Guillaume, en visite d'État, si je peux le dire, ou bien en visite officielle en France, il y a 17 policiers qui avaient été envoyés pour un mandat d'amener par une juge de Paris pour entendre Soro Guillaume. Et cette situation a créé une crise. Une crise pas aussi grave que ça, mais une crise au niveau diplomatique, au niveau de la Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Parce que le ministre d'État de la Côte d'Ivoire a tout de suite convoqué l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire pour protester de cet mandat d'amener qui avait été émané par une juge contre leur président de l'Assemblée. Il y a eu aussi une réunion extraordinaire au niveau de l'Assemblée nationale pour dénoncer ce qui vient de se passer. En tant que juriste, M. Yves Kenao, que pensez-vous de cet mandat d'amener qui a dégénéré à un incident diplomatique entre Paris et Abidjan? Voilà, vous savez, dans cette histoire, je n'ai pas compris. C'est là que j'ai dit que des fois, les Occidentaux joue trop sur les sentiments des Africains, sur l'émotion des Africains. Vous voyez, à l'heure actuelle, il y a cette histoire de bande d'écoute de Guillaume Soro que les Burkinabés sont chauds à voir inculpé. Il y a aussi cette intervention de Guillaume Soro à travers Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Et il y a l'élection de ce nouveau président dont les gens soupçonnent d'avoir participé avec Blaise Compaoré. Et quand on sait que tout le jeu de Guillaume Soro, c'est de protéger
Thomas et Blaise Compaoré, il va de soi que la France, pour arranger, pour embellir son image auprès des Burkinabés et surtout des Africains, va sortir cette histoire de mandat d'amené. La juge, même la première année de droit, la première année de faculté de droit, tout ce qu'on enseigne aux gens, c'est l'immunité parlementaire. Cette juge, avant d'être juge, a traversé la première année de fac, la deuxième année, la troisième année, la maîtrise. Mais est-ce que l'immunité parlementaire veut dire l'impunité? Non! Et justement, l'immunité parlementaire veut dire l'impunité. C'est ce que l'immunité parlementaire veut dire. Ça veut dire que tant que vous êtes parlementaire, on ne vous jugera pas. On ne vous touchera pas. Mais elle le sait bien. Mais elle s'est permis, pour se moquer des Africains, de dire qu'elle va arrêter Guillaume Soro, qu'on amène Guillaume Soro, ces gens pertinemment qu'on ne peut pas amener Guillaume Soro. Voilà la réaction directe de la Côte d'Ivoire. Et lorsque les patrons de cette juge-là ont été saisis, elle a levé totalement le mandat d'arrêt. Ça ne se fait pas. Il fallait qu'elle respecte que nous, Africains, nous sommes aussi intelligents pour savoir que ça ne peut pas aller. Pour nous faire plaisir qu'on arrête Guillaume Soro ou bien on amène Guillaume Soro. Mais c'est là que moi j'ai trouvé. Et quand j'ai vu certains intellectuels africains acclamer et que Guillaume Soro est un problème, non, c'est pour se moquer de notre intelligence. Oui. Voilà. Parce qu'elle sait pertinemment qu'elle ne peut pas le faire, qu'elle n'a pas le droit de le faire. Mais oh, ils se sont dit, faisons leur plaisir. Si on fait ça, ils seront contents et ils vont oublier le reste. Le gros problème, c'est de trouver les responsables de l'assassinat de Thomas Sankara. Point tiré. Et ce n'est pas au lendemain des élections de Burkina Faso que la France s'intéresse aussi grandement au dossier de Sankara et au coup d'état de Burkina Faso. Le coup d'état a été fait depuis. Si la France pouvait commander. Maintenant, le problème juridique qui se pose, un autre problème juridique, c'est seul au Parlement ivoirien de voter le lever de l'immunité parlementaire de Guillaume Soro, le président de l'Assemblée, pour lui permettre d'aller devant les juges. Si le Parlement, l'Assemblée nationale de Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire ne le fait pas, nous autres, nous ne pouvons pas le faire, la France ne le fera pas. Mais si la France le fait, ça ne serait que par force. Et là encore, elle sera... Bon, monsieur Serge Niawa, en quelques minutes, que pensez-vous de cette mandat d'amener contre monsieur Kikafuri Soro Guillaume qui est en visite en France présentement? Si je voulais quand même vous remercier, M. Moussa, mais je dirais qu'il n'y a pas de problème entre la France et puis la Côte d'Ivoire. Il y a un problème entre l'avocat de Soro Guillaume et Soro Guillaume lui-même. Et entre la femme juge qui a posé ce problème. Sinon qu'il n'y a pas de problème entre la France et puis la Côte d'Ivoire. Soro Guillaume est couvert par l'immunité parlementaire. Tout ceci, la France respecte cela. Donc on ne peut pas mettre la main sur Soro Guillaume. Tout ce qui se passe, vous savez qu'au niveau des médias, il y a toujours ce qu'il faut faire beaucoup attention. Il y a ce qu'on appelle les médias qui font la propagande. Il suffit que ça sorte. Et vous, les téléspectateurs, vous êtes emportés. Donc, il faut faire beaucoup attention sur ce qui est propagande. Ici, aux États-Unis, ça se fait. Donc, je voudrais quand même dire que l'immunité parlementaire de Soro Guillaume peut être levée pour que Soro Guillaume aille en France pour répondre. Bientôt, on va essayer de mettre en place une Assemblée nationale parce que c'est la même Assemblée nationale qui est toujours là. Mais tant qu'elle est là, Soro Guillaume ne peut pas aller répondre. Il va toujours envoyer des gens parce qu'il est le numéro 2 en Côte d'Ivoire. Et il ne peut pas se lever tout de suite pour aller en France. Je sais qu'il y a un problème. Nous sommes tous des humains, il faudrait qu'on comprenne. Laissons la justice jouer son rôle. Mais cette justice doit comprendre qu'en jouant son rôle, ce n'est pas dans l'intérêt de la France, mais c'est dans l'intérêt de la justice. Soro Guillaume, il a été accusé. Donc, il doit répondre de ses actes. Mais il faudrait qu'on le fasse de manière, pas de manière précipitée, mais jusqu'à ce que la justice puisse mettre la main sur Soro Guillaume pour que Soro Guillaume puisse aller vomir en France. Non, on ne pourra jamais juger Guillaume Soro en France. Oui, puisque mais il a été convoqué. Que les crimes ont été commis
sur le sol. Mais ils l'ont convoqué en France. Ça, donc, ça, il doit aller d'abord répondre à la convocation. Débat. Ça, c'est un autre débat, cher ami, que nous allons continuer de discuter de cela. Mais je vous rappelle que cette crise diplomatique entre Paris et Abidjan pouvait être beaucoup plus grave parce que nous apprenons que un vol Air France qui partait vers Paris et que cet vol avait été détourné pour retourner encore en France. Les autorités françaises parlent d'un problème d'ampoule d'avion qui ne pouvait pas atterrir. Et pendant ce temps, d'autre côté, les autorités ivoiriennes, on attend de l'autre côté de la Côte d'Ivoire comme quoi que cet vol avait été détourné en répliquant à ce que les autorités françaises ont voulu faire à leur président de l'Assemblée. Et je pense que cette histoire, nous aurons des informations supplémentaires les semaines à venir. Maintenant, ma dernière question pour mes chers panélistes. Avec tout ce que nous venons de débattre sur Guillaume Soro, chef de guerre, Guillaume Soro, étudiant, Guillaume Soro, ministre de Babo, Guillaume Soro, ministre d'Alassane Dramane Ouattara, présentement Guillaume Soro, président de l'Assemblée, quel avenir politique pour Guillaume Soro après ses écoutes téléphoniques? Quel avenir politique pour Guillaume Soro après cette mandat d'aminé? C'est ma dernière question pour vous, les panélistes et mes amis téléspectateurs. Monsieur Yves, je vais commencer par vous. Si vous pouvez juste quelques minutes. Vous savez, cette vie, c'est comme les Anglais disent, gambling. C'est un jeu de hasard. Oui. C'est un jeu de hasard. À l'heure actuelle, il est l'homme fort. Il pouvait être encore l'homme fort pour une dizaine d'années. Ou, à partir de cette histoire, Il peut aller à la CPI. Je vous dis ça. C'est-à-dire que ce pile ou face, il peut, c'est que comme de la blague, on peut trouver l'année prochaine et Guillaume sera à la CPI. Et c'est la même chose qu'on peut le trouver dans 2 ans, 5 ans après Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. N'oubliez pas que le poste de président de l'Assemblée généralement ouvre la porte à quoi? À la présidence. À la présidence. Généralement. Mais encore une fois, est-ce que ces accusations pas saines qui entourent Guillaume Soro ouvriront la porte de la présidence? Ça, c'est un point d'interrogation. Mais je vous dis, si la situation au Burkina Faso va dans le sens de Ouattara, va dans le sens de Guillaume Soro, il n'y a pas de raison qu'après Ouattara, que ce soit Guillaume Soro. Et de même, si c'est l'inverse, il n'y a pas de raison que l'année prochaine qu'on le trouve probablement à la CPI. Monsieur Serge Niawa. Merci donc, Moussa, comme vous l'avez dit, nous sommes presque à la fin de cette émission. Je voulais grandement te saluer. Merci. Pour le courage que tu as pu prendre pour parler de ces écoutes téléphoniques, parce que ce n'est pas du tout facile. Maintenant, revenons à cette situation. Quand vous voyez cette cassette, vous l'écoutez, il y a une partie où Sérieux Guillaume a dit, quand quelque chose est rouge, il faut dire qu'il est bleu. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que si on l'accuse, il doit discuter jusqu'à ce que et puisse se refaire de cette situation-là. C'est ça. Je ne souhaite pas, ça c'est ma conviction. Je ne souhaite pas que ce Guillaume parte à la CPI, mais je souhaite plutôt que M. Ouattara puisse ramener déjà ceux qui sont à la CPI en Côte d'Ivoire pour renouer le tissu social de la réconciliation, pour qu'ils puissent réellement avoir cette crédibilité et mettre la main sur l'Afrique. S'il ne le fait pas, il y a un hic et il y a des choses qui vont se passer. Si Soro Guillaume va à la CPI, le monde est bouleversé. D'abord la France, elle sera bouleversée. Monsieur Ouattara va le suivre et la Côte d'Ivoire, il aura encore une autre crise où il aura beaucoup encore de tueries. Dans un premier temps, l'Ivoirien que nous sommes devions éviter tout ça. L'Africain que nous sommes devions éviter tout ça. Monsieur Ouattara, à l'heure où nous sommes, doit procéder à la réconciliation.
libérer tous ces prisonniers politiques parce qu'il a été déjà élu. Il a utilisé une bonne stratégie, une stratégie pour prendre le pouvoir. Tout le monde était en prison, il a pris le pouvoir, c'est bien. Mais M. Ouattara doit maintenant prouver à l'Ivoirien que non seulement il n'est plus ivoirien, mais libérer tous ceux qui sont appelés prisonniers politiques aujourd'hui. Ce n'est pas lui qui est le juge à la CPI. Mais il peut signer un papier pour dire que nous renonçons à la poursuite de Gbagbo Laurent. On peut le libérer s'il le fait. Et s'il le fait demain, c'est lui qui aura gagné parce qu'il va s'asseoir avec Laurent et il va dire « mon frère Laurent, je voulais que tu m'excuses parce qu'avec tout ce qui s'est passé, il fallait que ça se passe pour que tout se passe, pour qu'on puisse détendre un peu l'atmosphère. » Et il faut Bagnou aujourd'hui qui est de l'autre côté, il écoute. Il dit « mes chers compatriotes, j'ai essayé de suivre aujourd'hui tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. J'ai appris que M. Ouattara a été le premier à prendre en Côte d'Ivoire. Alors qu'au moment où j'étais là, j'ai appelé un petit Gbagbo, j'ai appelé un Bendien, j'ai appelé Ouattara. Je leur ai dit que Bendien et Ouattara, vous deviez vous occuper de la Côte d'Ivoire. Et M. Ouattara ne doit pas s'immiscer dans la politique. Merci. Je voudrais avoir tout ça, M. Diarra. Merci. Pour qu'un prochainement on puisse. Merci pour votre participation. Vous avez contribué énormément à éclairer nos amis téléspectateurs, chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV. Monsieur Yves Kenawo aussi a fait un très grand apport de contribution. Je pense que nous avons discuté en long et en large de la situation qui prévaut entre le président de l'Assemblée ivoirienne, M. Soro Kikafuri Guillaume, et de tout ce qu'il est impliqué. Nous allons continuer de vous donner des informations par rapport à l'évolution de la situation. Merci encore une fois de plus, M. Kenawo. Merci, M. Cherche. Pour ma part, c'était l'édition spéciale rétrospective de la semaine. C'était sur Soro Kikafuri Guillaume. Nous allons nous retrouver encore la semaine prochaine pour parler toujours de l'Afrique et du reste du monde. À la partie technique, j'avais Malik Sall et passez une très bonne nuit, excellente soirée. Bonne nuit. Au revoir. Fidélité oblige.